Bienvenue dans le mode en ligne. Avec respect. Ouais. Ok. Par contre, c'est quoi ces bandes noires là? On va tout mettre en français. Tester. Réseau. Bah oui, dans le monde. Il est en ligne. Ça, on s'en fout. Pourquoi j'ai des bandes noires? J'ai des bandes noires sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est peut-être fait exprès. On va savoir. Carrément invisible. Et là, on le voit encore. Je sais pas, je vais le mettre à 6. Suivant. Vibration. Ouais, bon, on laisse. Oui, du palsan. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? C'est simple, par une petite dose de sang de Yharnam. Avant tout, vous devez rédiger un contrat. Ah, ok. Le zoom, il est un peu lent. Alors, saisir le nom. On verra ça plus tard. Ouais, ça se voit à peine. Ok, alors. D'accord. Le caractère détermine les caractéristiques. Passé violent. Professionnel. Ah bah oui, il y a la description en haut. Passé terriblement violent. Ouais. Ah, quoique. Gâchis, on n'est pas le moindre. Non. Mot perdu, forescence. Je sais pas quoi mettre. Je vais juste voir par rapport aux statistiques en fait. Ésotérisme, je sais même pas ce que c'est. Teinte sanglante non plus. Oh là 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 là. Ok, j'étais au téléphone. Alors, cruel destin. Je sais pas quoi choisir. Allez, vite fait. Écho du sang. J'en sais rien, moi. Vas-y, tu sais quoi, je vais mettre ça. Apparence. Attends, ça on l'a déjà vu. Ah!
J'en sais rien. Carrure. Grosse tête. Mince. Très mince. Charpenté. Là aussi débile, c'est que je suis habillé en fait. Je ne vois pas. J'ai bien compris que c'est musclé, mais on voit pas l'incidence quoi. On voit pas. On voit pas le truc quoi. Je sais pas, je vais mettre juste charpenté. Ah justement. Mais je peux pas zoomer. C'est quoi ce zoom à la con? Putain, si je fais l'erreur de faire R3, ça me remet. Mon Dieu. Bon. Multiplié par 10, ok. Je crois que je peux me faire chier avec ça en fait. Je laisse par défaut. Le teint. Couleur de peau. Non, putain, je suis tenté de laisser par défaut. Juste la coupe de cheveux, comment je change de ça? Ah, ça a l'air assez développé. Cheveux. Ok. Ouais. L'époque victorienne, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis pas gouré de sexe en fait. Hein, il y a de l'animation sur les cheveux. Il n'y avait pas ça sur Dark Souls 2. Bon, j'en avais vu une un peu plus haut qui me plaisait un peu. Ouais, je crois qu'on va garder ça en fait. Vas-y. Couleur, on laisse. Noir, tout ça c'est bon, sourcil. J'en sais rien. Moi. Ils ont pensé à tout. Mono sourcil, non, bah je vais mettre ça. Moi. Ouais, je l'ai comme ça. Ça, on s'en fout. Barbe, oh, ça peut être sympa, ma foi. Je suis pas barbu, mais bon. Comme ça, normal. On laisse comme ça. Ouais, mais les gars, vous, j'ai rien dit. Putain, mais on le voit à peine. Hein. Je sais pas, je mets ça par défaut. Oh là là, je vais pas rester ici pendant des heures. Hein. Ça va aller vite. Iris, on s'en fout. Je vais souvent être masqué, je pense, dans le jeu. Ouais, taille de la pupille droite, taille de la pupille gauche. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je peux avoir l'air très con en faisant ça. J'espère que je ne suis pas gouré en fait. Attends, j'ai pas un œil plus gros que l'autre là. Pendant le doute, je mets tout à gauche. Voilà. Tatouage, ça peut être intéressant. Il n'y en a pas beaucoup. Bof. Pas de tatouage. Lunettes. Ah ouais, putain. Ah ouais, quand même. Bon, pas besoin de lunettes. Je
charger un favori. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je peux changer d'apparence en plein dans le jeu. Ça peut être intéressant. Oui, non, non, la carrure, on laisse. On va dit charpenter. Bah, c'est bon. C'est bon. Et comment je joue là? Terre de guerre, on laisse comme ça. Oui, le nom. Le nom. On va la faire court. Apparence, c'est bon. Origine, bah voilà, c'est bon. C'est bon. Par contre, je n'ai pas choisi de classe. Donc, ok, il n'y a pas de starter en fait. Il n'y a pas de classe au début. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, la lumière, s'il vous plaît. Oula, c'est... Non, c'est quoi ça? What the hell? C'est une sorte de lican. Pas compris. C'est peut-être un cauchemar. Ah, vous vous êtes trouvé un chasseur. Ah, je joue direct. D'accord. J'ai même pas le temps de manger un chocolat. Ok. Oh, je déteste ma tenue par contre. Ok, bon. Rechercher le palsang pour transcender la chasse. Au niveau des touches. Ça me bat. Waouh, c'est quoi ça? Damn. Ça a l'air marrant corps à corps en fait. Ok, L1 pour changer d'arme. Ok, bon, ouvrir la porte. Peut-être un truc à trouver dans la salle. En fait, il y a deux portes. Je vais... Comment on fait déjà pour courir? Ok. Pour moi, c'est les mêmes commandes, en fait. D'accord. C'est à peu près les mêmes commandes, sauf que mon perso court un peu bizarrement, en fait. Lock, c'est sûrement R3. D'accord, d'accord. Ok.
Oui, ça, je le sais, ça. C'est, monsieur, ça c'est quoi? Verrouillé, évidemment, je le sais aussi. Le truc, c'est que je n'ai pas d'arme, en fait, là. Oh, j'aime bien l'interaction, par contre. C'est vraiment bien fait. Ouais, ok. Ils m'ont mis faible exprès. Est-ce que je peux faire une attaque? Ah, je crois qu'elle m'a vu. Non? Ok. Ok, monsieur. Ok, non, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu fous dans ta poche? Ouais, bah, je risque pas de gagner. J'ai pas d'arme. Ça va pas ou quoi? Attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas d'arme. Bah écoutez, je vais me barrer, je crois. Mais non! Qu'est-ce que tu fais? Putain! Courez! Oh, il y a un iframe sur la porte. Par contre, je vais crever. Hein. Mais bouge! Mais. Putain, ça devient comique. Attends, je fais quoi? Bah, je me casse en fait, je crois. What? Attends, mais je fais quoi, bordel? Monsieur, j'ai pas d'arme. S'il vous plaît. Je suis censé le tuer ou je suis censé l'esquiver en fait? Je comprends rien du tout, là. Putain, en tout cas, il fait bader. Hein. Il y a une très très bonne animation. Très bon moveset. Là-bas, il y a... Là-bas, il y a une porte, il y en a même une ici aussi. Je vais tenter un truc. Hop. Ouvre la porte, dépêche-toi. Par contre, je me demande, j'ai pas trouvé d'arme, en fait. Il y a un problème, les gars. Je crois que j'ai raté un truc. Oui, forcément. J'ai raté un truc. J'ai forcément raté un truc. Là, j'ai reconnu l'entrée de la ville. Là, on commence directement le jeu. Hein. Rien n'est expliqué, donc... Ou alors, c'était fait exprès. Ah, je crois que c'était fait exprès. On est d'accord, j'ai rien raté en fait. Ça je sais. Ah, il y a quelqu'un qui est mort ici. Il a... C'est quoi, c'est un katana? Putain, il me faut ça. Bon. Obtenir des objets. Attends. Qu'est-ce que tu nous vends, toi? Un set d'armure et rien d'autre. Rien de spécial. Bon, pour l'instant, rien n'est expliqué. Cinquième hôtel... Ouais... Ok, bon. J'ai vu que l'entrée était par là. Voilà. Tiens, une poupée abandonnée. Les messagers vous offrent une arme à feu. Ah bon. Alors, pistolet.
tremblons. Ouais, mais je connais pas les stats. Je sais pas, je crois que je vais prendre le pistolet. Hein. Ah, d'accord. Donc ça, par terre, c'est pas des messages. Une arme trompeuse. Canne fouet. Bah oui, mais ça ressemble à quoi? Logiquement, je prendrais ça, moi. Il y a plus de dégâts. Mais comme je suis pas un petit joueur, je vais prendre ça. Alors, comment on s'en équipe? Parfait. Aucune tenue. Supprimer. Ça, je verrai plus tard ce que c'est. Alors oui, pistolet, je le mets où? Enfin, comment je m'en équipe? Il est peut-être équipé par défaut, non? Attends. Okay. Va falloir que je comprenne le gameplay. Vraiment, il va falloir que je comprenne. Comment j'utilise le flingue? Bah ben oui, mais je peux pas. Ouais, bon. Ça, c'est quoi? Ok, j'ai un carnet. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est peut-être comme Demon Soul, en fait. Non, attends. Avant de faire n'importe quoi, il y a sûrement trop de choses à looter par terre. Ça, c'est du message. Merde, mais qu'est-ce que je fais, moi? J'ai utilisé un truc, sûrement une potion. Qu'est-ce que je viens de faire? Attends. Rechargement d'urgence. J'ai vidé mes PV, en plus. D'accord. Bah oui, on est d'accord que dans la main gauche, j'ai pas mon flingue. Ah, d'accord. Ok, monsieur, ok. Maintenant, il est là. Ok, si je fais L1, ça transforme l'arme. Putain, c'est super stylé. Et L2, c'est pour tirer. Ok. Ok, monsieur. J'ai compris. Bon, lui, on s'en fout. Bon, bah, je pense qu'il faut... Ouais, il faut retourner en ville. Par contre... on est vraiment lâché, mais lâché pire qu'avant, quoi. C'est... Même Demon Soul, c'était... C'était beaucoup plus... Beaucoup plus explicatif. Là, ça dépasse tout. Hein. On est lâché et à toi de comprendre. Hein. Ma foi. Il faut que je comprenne le gameplay parce que attaque rapide à courte portée. Je le transforme en fouet. Je pense que ça peut toucher d'assez loin. D'accord. Ok. Ok, ok, j'ai compris. Bon, le lican. Le lican, il m'intéresse là.
vais d'abord essayer de m'habituer. Ok, fiole de sang plus 3, d'accord, ça marche. Fiole de sang. Ok. Fermé par un mécanisme. En fait, ouais, ça commence direct. Hein. Parce que ça, oui. Ça, c'était la bêta, il me semble. Les fioles de sang, faut pas que je fasse n'importe quoi pour les utiliser. Ok. Comment j'ai fait ça? Ah, ça marche qu'avec. D'accord, ça marche qu'avec l'arme à courte portée en fait. Il me semblait que l'arme à longue portée pouvait aussi taper fort comme ça. Ouais, c'est vraiment bien fait quand même. Hein. Bon, je vais essayer de me concentrer. Pour que je passe pas n'importe quoi. C'est bon, les habitudes reviennent. Il y a longtemps que j'ai pas rejoué à Dark Souls. Ah ouais, faut vraiment inspecter en fait. Hein. Parce que des fois on peut passer à côté de portails comme ça, pensant que c'est un simple décor, alors que non. S'il faut, même là. Ah non, là je peux pas toquer. Parce qu'il me semble qu'on peut toquer aux portes aussi. Ok, là y a rien. Là-bas, il y a un truc. Je vais... Attends, je vais essayer le flingue. C'est L2. Ok. Ça marche. Ça marche. Ça a l'air simple. Pour l'instant, aucun problème. Le mécanisme m'intrigue. Je vais l'activer. Ah, ok. Une échelle. Bonjour monsieur. Je vais tester un truc. Ok. Non. Pas tous ses yeux au niveau du flingue, mais à mon avis ça sert à quelque chose, c'est évident. Cocktail Molotov. Ok. Non, abruti. Ça, ça devait être le boss. On pouvait pas monter plus vite. Si, en maintenant rond. Voilà, ça change pas en fait. C'est exactement Dark Souls 2 en fait. Comme Dark Souls 2, mais... Okay.
toujours avec des feux de camp. Ok. Ça, c'est sûrement un futur raccourci. Aller voir l'homme. Alors, c'est vraiment très très beau, mais j'ai un peu du mal avec... les éléments du décor, à savoir si ça par exemple ça peut être une porte ou pas. Alors là on voit clairement que c'est un mur en fait. Mais c'est un coup à prendre. Pour l'instant j'ai un peu du mal à me repérer concernant l'interactivité. Ok, il commence à y avoir du monde en bas par contre. Quelqu'un. Ah oui. Ah oui. Ok, bon. Comment on fait une esquive sur le côté? Ça faut que je le comprenne aussi. Merde, qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Hey. Comment on fait pour jeter des cailloux d'ailleurs? Ah, peut-être que je commence à me soigner par contre. Okay. Mais non, qu'est-ce que... What? J'ai perdu de la vie? Attends, il y a un truc que je comprends pas. Attends. Attends 2 secondes. Pourquoi je perds de la vie quand je fais ça là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais ils sont là les galets. On est qui? Ah, donc, il doit y avoir une touche pour se soigner. Ça c'est les émotes. Comment je me soigne bordel? Ah, c'est triangle, d'accord. Ok. Ok. Bonjour. Ah, on fait craquer le fouet en fait. Une bonne portée. Et plutôt rapide. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Sachant que c'est forcément un cul-de-sac, évidemment. On va se regarder un petit spectre. Ah, je peux pas. Des fois les messages disparaissent, c'est assez bizarre. Ah oui, oula, d'accord, ok. Je crois que il y a un méchant là, un méchant monsieur. Il m'a pas vu. Okay. Alors on se le tente ou pas? Bien envie de tenter un backstab. Ok, attention. Je vais étudier un peu sa façon de bouger. Ah, t'es comme ça, toi? D'accord.
Ah oui, d'accord. Ah, c'est one shot. D'accord. Ok. Ok. Bon, je crois que j'ai trouvé une faille. Je vais tenter. Sachant que je vais prendre un énorme risque. Ok. Temps de chargement assez long quand même. C'était pas aussi long avant. Ok, bon, je vais rester comme ça avec le fouet. J'ai perdu mes âmes. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Je suis encore humain? Parce que s'il n'y a plus ce système de mort à gérer avec des effigies humaines, tout ça, ça va être extrêmement simple. Hein. Ça va juste être un die and retry basique. Toi, tu dégages. Je m'enlève ce bouclier. Voilà. Ok, bon. J'imagine que le molotov servira pour d'autres personnes. Même en prendre deux, vas-y, allez. On est fou. Ah merde, j'ai tapé l'autre. Je dégage. Next. C'est easy. Pas mal de monde, j'ai envie de retenter le gros là-bas. Molotov. Sur endurance quand même. Hein. Mon molotov, je vais peut-être en tirer juste un seul sur le gros là-bas, juste pour test. Attends, un truc, où sont mes âmes? Parce que je suis mort ici, on est d'accord. Où sont mes âmes? De me dire que si tu meurs une fois, toutes tes âmes... Ah non, elles sont... Ah d'accord, c'est là. Ça se voit pas. La tache de sang, elle est toute petite. Faut vraiment se souvenir d'où t'es mort. Hein. Parce que là, la tache, elle est toute petite. Je vais d'abord ouvrir ce petit raccourci. Ah d'accord, je commence à comprendre le système. Vas-y, tape-moi. Ouh, c'est rapide. Ok, je peux pas backstab avec le fouet, tandis que si je me mets avec la canne, peut-être. Non. Non, mais qu'est-ce que tu branles, putain. C'est pas possible, ça. Je crois que je peux pas backstab avec la canne, en fait. Mais non, mais non, mais non. Triangle pour soigner, bordel. Toi tu dégages, toi aussi. Vraiment que je me fasse le gros. Et vu qu'il m'a pratiquement one shot, pas prendre de risque. Question de principe. Viens là. Ça fait pas grand chose.
Putain, je lui fais rien. Donc ça sert à rien, je crois. Oh putain. Oh putain, la vache. Backstab. Mais non, mais ça marche même pas. Je crois que avec la canne, je peux pas backstab en fait. Ou alors je m'y prends mal, je sais pas. Bon bah je crois que je vais pas le tuer. Ah non, ça marche pas. Je peux pas le back. Ah, ah d'accord, peut-être avec le flingue. Attends. J'ai peut-être trouvé un truc. Day. Ok, laisse tomber le gros. Je reviendrai plus tard parce que non, il y a un truc que j'ai pas compris. Je vide trop de potions pour un mob qui en vaut peut-être pas encore la peine. Laisse tomber. Mais il y a quelque chose à faire avec le flingue. C'est évident. J'ai eu l'impression de l'avoir stunné, mais comment infliger une attaque mortelle dans le ventre? Je connais pas la touche. Ou la combinaison pour se faire. Donc je vais récupérer mes âmes, vite fait. Et puis, après c'est pas plus mal, ça me fait un petit farm en fait. Je lâche rien. Pas gentil. Non, non, faudrait pas que je crève parce qu'il y a mes âmes là-bas, quand même. Ça serait con de crever ici, franchement. C'est le moment d'assurer, là. Oh putain, j'ai cru que j'allais crever, putain. Messieurs. Juste récupérer mes âmes. Faut carrément que je me souvienne où est-ce que j'ai rendu l'âme. C'est ici. Ok. Ok, donc c'est une sorte de faisceau. Je m'en souviendrai. Ok. Oh putain, mais... Mourir sur le premier mob, t'imagines? Il est rapide avec sa torche. Hein. Mine de rien. Par contre, j'ai que deux potions, je fais de la merde. Hein. Je fais vraiment de la merde là. Je suis trop tenté de me refriter avec le gros, mais laisse tomber par contre. Ça sert peut-être à rien encore. C'est beaucoup trop tôt.
Faut que je me trouve des potions maintenant, putain. Ok, du molotov. Ouais, je ramasse beaucoup du molotov. Vous êtes cet étranger ? Je ne veux rien, mettez les voiles, ok ? Non, je veux rentrer. Vous êtes cet étranger. Il me répète le même texte. Il y a pas un truc caché par terre, genre une potion. Parce que là, un coup et je suis mort. Il me reste deux potions, mais j'ai envie de les économiser. Ah, genre je l'ai pas touché. J'ai entendu un autre bruit. Attention. J'ai entendu. Ah ouais, bah, je suis pas fou. Ok, je peux pas sauter. Je préfère faire le ménage. Oh putain, il m'a fait bader celui-là. Ça, c'est un esprit. En gros, c'est un joueur. C'est bien, les gars, c'est sympa, mais il me faudrait des potions, en fait. Sale intrus, qui ouvrirait sa porte par une mitchasse, fiché de camp. J'ai besoin de potions. Ouvrez-moi la porte. Ah, je me ferai pas avoir. Lui, à mon avis, il me touche avec son fusil, je crève. Faut pas que j'oublie que j'ai un fusil, moi aussi. Enfin, un flingue. J'étais sûr et certain. J'en étais sûr. Je voulais faire... je voulais le loquer, mais ça n'a pas marché. Putain, non mais j'y crois pas. Quel noob. J'étais sûr. Un objet, tu sais, genre comme ça, en plein milieu. Genre, il n'y a personne. Bien sûr que non, il n'y a pas personne. Bien sûr que c'est un piège. J'ai pas réussi à le loquer et puis j'ai tapé dans le vide. Ouais. Bon, bon, bon. Je me rends compte d'un truc. Attends. Il y a un truc qui est pas normal. Ah, quand même. Mon arme peut s'user. Je me disais. Elle s'use pas rapidement parce que... C'est le début. C'est un tutoriel, hein, ici. Je me dis bien que plus tard, il y aura beaucoup plus dur, quand même. Et au moins, ça me permet de farmer un petit peu. Il ne faut pas que je meure jusqu'à là où je suis mort juste avant. Sinon, je perds toutes mes armes. Je vais profiter du fait que j'ai beaucoup de molotov pour... Voilà, on recule. L'endurance. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 putain. C'était pas le bon plan en fait. Putain lui, oh putain lui avec sa fourche. Faut vite que j'en finisse parce que... Il doit avoir une très très bonne allonge. Je sais qu'il y en a un autre encore il me semble. Bah.
Où est-ce qu'il est barré? Monsieur? Monsieur? Vous êtes où? Ah mais ah merde, il y a un truc par terre. Écho du sang. J'ai pas compris. Ah d'accord. Ah ok, mon âme était carrément posée sur lui en fait. Tu vois, le piège. Deux potions, je le sens très très mal pour la suite quoi. Je le sens super mal. Je vais... Oh, oh. Ah oui. Ah ouais, là ça rigole pas. Va falloir que je trouve une solution. Je vais pas me faire avoir bêtement. Yes. J'ai une fiole. Rien toi. Trois fioles, c'est encore un peu just. Non, 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 mais attends, c'est une blague. Et je fais quoi là? Attends, il y a forcément un moyen pour... Ça me fait trop penser à Resident Evil 4, le village espagnol au début. Là. Bon, on va les prendre un par un. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'attaque sautée, plus rapide que la tienne. C'est quoi ce truc là? Faire gaffe. Non, ça va. Il est comme les autres, en fait. Ok. On va faire le ménage, tranquillement. Là, j'en vois un là-haut. Qui tient un fusil, je crois. Donc, il pourrait me spot de loin. Je vais faire gaffe. Merde, je l'ai pas touché. Prends-toi ça. Même, il n'y en a pas derrière. Non, c'est bon. Ouais. Parce que là, si je cours, là, je vois qu'il y a un escalier à droite. Si je cours, il y en a d'autres en haut. Et si j'arrive et que j'ai plus d'endurance, je vais me faire avoir. Ça, c'est clair. Donc, je vais faire un truc. Hop. Attention, c'est rapide. Ah, d'accord, il y a deux. Ok, ils sont deux. Recule. Leur portée est assez minable, par contre. Donc, je vais pouvoir m'en sortir. Toi. Coucou. Viens, s'il te plaît, viens. Putain. Ah, putain, il y en a un deuxième. On a que de l'humanoïde. Ok, donc c'est même pas des roulades sur le côté, c'est carrément un pas sur le côté. Ça, c'est un truc à maîtriser à mon avis. Hein. Allez, toi tu dégages.
5 fioles, on remonte la pente. C'est pas trop mal. Alors lui, il est omnibulé par le feu. Wow. J'ai envie de tenter un truc, mais c'est un peu dangereux. Oh, ça passe. Monsieur? Oh, non. On met des lunettes. Ça fait mal. Hein. Oh, c'est passé à côté encore. Ok. Okay. Ça c'était sûr. J'ai pris des risques. D'ailleurs, il y en a deux en haut encore. Ah, il y a un clébard. Ok. Peut-être essayer de me battre avec la canne tout court. Elle est peut-être un peu plus... Non, par contre pour le chien, il n'y aura pas de canne. Le chien, je le sens très très mal, par contre. Putain, il y a vraiment beaucoup de monde en fait. Hein. Pour une zone de début. Lâche rien quoi. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ouh, c'est rapide. Approche. Waouh. Il est faible, mais il fait mal. Putain, ma vie. Putain. Ok, je crois qu'il est tout seul. Avant que je fasse gaffe. Tire. Il n'y a pas d'autre. Ok, il faut vraiment que je me serve de mon flingue aussi un petit peu. Monsieur qui est pas content derrière la porte, je crois. Pas prendre de risques. Non, c'est quoi ça? Parce que si c'est des bidons explosifs, je préfère pas taper dessus. Ok, donc ça, c'était là où il y avait le piège. Là, je peux pas rentrer. Bonjour. Yes, deux fioles. Ça va, je remonte la pente tout doucement mais sûrement. C'est en mode canne. Bénissez-nous par le sang. Et des messages, des fois, ils servent à rien en fait. Ouais, il n'y a rien d'autre. Un truc caché, non. Ok, donc j'ai fait le ménage. J'aimerais bien trouver par contre un feu de camp. Ça serait stylé. J'ai pas raté un truc ici? Si, évidemment. La rosée, je sais pas ce que c'est. Tiens, lui aussi, il a laissé un truc. Est-ce que je peux toquer ici? Ça, c'est bizarre. Il y a des portes, tu peux toquer, et d'autres, il n'y a aucune interaction. Ok, j'ai des balles. Ah!
Non, j'ai rien dit. Ok. Merde. Ok, j'ai 20 balles. Vu qu'on doit faire le tour par là, je me doute bien que celui qui cogne à la porte, on va le croiser. Attends, je m'assure qu'il n'y ait personne qui me suive. Ok, alors. Juste pour savoir, permet d'obtenir des échos du sang. Ok. Alors, écho du sang, j'imagine que ça remplace les âmes, ce qui fait que ce que je viens de ramasser, c'est un petit booster en fait. Si je l'éclate dans la main, ça va me donner des échos. Des échos de sang. Ouais, on le voit là-bas en train de... En train de cogner. Que ça fait son effet. Allez, prendre mon courage à deux mains. Le problème, c'est que vu que je peux pas backstab, je vais avoir du mal à le battre là, je crois. Ouais. Attends, je suis tenté. Hein. Tant pis si je crève. Spot. La spot, hein. Whoop. Hey. Attends, que je me repère avec les arbres, tout ça. Ok. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un one shot. Je vais tenter un truc. Waouh. Monsieur, attaque, vas-y attaque-moi. Wow, non. Oh putain. Hey. Oh bah à l'ancienne, hein. Bon, je voulais tenter de faire un truc stylé, mais avec la canne, j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose. Termes de dégâts critiques. Non, c'est pas une bonne idée. Non, monsieur, non. Ouais, mais je suis en train de vider toutes mes potions sur lui. C'est chaud. Attends. Il m'en claquait une deuxième parce que. Ouais, Ace, je sais. C'est ce que j'essaye de faire, mais je sais pas si avec la canne... Tu penses qu'avec la canne, ça marche? Parce que j'ai pas l'impression. Hein. Attends, je te relis bien. Bah oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire, en fait. Attends, trop lent. Que je viens de faire, hein. C'est exactement ce que je viens de faire, et à moins que ce soit une attaque spécifique, ouais, c'est sûrement une attaque spécifique parce que putain, moi je vais finir par crever. Attends. Ah d'accord, ok, j'ai compris, ok. Tu vois, là, ça a pas marché. Hein. Je veux bien faire un truc stylé, mais si ça marche une fois sur trois... Hey, ouais, il vient jusqu'ici. Putain. Attends.
Ouais, je pense que c'était ce coup-là. D'accord. Putain, je fais de la merde. Attends, parce que là, c'est pas l'idéal, en fait. Ah, il vient carrément jusqu'ici, hein. C'est incroyable. Je pensais qu'il serait resté Keblo là-bas. Attends. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Attends. La prochaine, c'est la bonne. Attaque, vas-y. Non. Bah, tu vois, là, ça a pas marché. Je peux pas le backstab en tout cas. Tu vois là ça a pas marché. Hein. Non, encore une fois. Ou alors je m'y prends mal. Je pense que je m'y prends mal. Merde. Non, 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 il était mort. Putain, culé. Putain de poussette qui m'a kéblo, vas-y. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. On va aller beaucoup plus vite que ça parce que là, je perds trop de temps. Pourtant, c'est que le début du jeu. Ah ouais, je recommence d'ici. Ok. Ok. Bon, tu me diras, je vais pouvoir farmer un petit peu. C'est pas plus mal. Allez, ça en fait au moins deux d'un coup. Celui-là, avec sa fourche. Tu te prends ça. Et tu te prends ça. Yes! S'ils peuvent m'avoir... S'ils m'ont lâché... Yes, des potions, c'est parfait. On est bon, là. Là, on est bon. Plus personne derrière. Ok, c'est parti. Ah, je vais aller beaucoup plus vite. Parce que mourir sur des conneries comme ça... Lui, je préfère le tuer, on sait jamais. Parce que tu pouvais me lâcher un truc toi aussi. Ah bah non, j'y pense. Vu que je suis mort par ici, je vais pouvoir récupérer mes âmes beaucoup plus tôt. Enfin, mes âmes. Hop ! Putain de... Putain. La loose. La loose si je crève ici. Sans avoir récupéré mes échos. Bon, là, il n'y a plus personne. Ces deux-là, ils vont y passer. Bonjour. C'est pas passé. J'ai combien de potions?
Ok, maintenant j'en ai 6. Est-ce que ça vaut le coup que j'en claque une? Ouais, vas-y. On est plus à ça près. Non, je vois pas mes échos. Enfin, d'ici, je les vois pas. Mais elles doivent être dans le coin. Faut que je fasse gaffe à celui qui tire aussi là-bas. Super relou. Bonjour. Oh non, 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 non. Je suis pas là, y'a personne, dégage, non, non. Putain. Ah ouais, je me doute bien qu'ils sont montés par les escaliers. Putain, enculé. Non, merde, il est pas mort celui-là, putain. Bon, j'essaie de calculer mon coup, mais je fais de la merde. Prends pas de risque. Hein. Faire pas prendre de risque. Est-ce que... Ah ouais, d'accord. Je pense qu'avec la canne comme ça, je peux faire ce que tu m'as dit, Ace 25. Parce que, tu sais, regarde, quand je suis comme ça, avec le fouet, j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose quand il s'agit de faire des critical damage, tu vois. C'est... Attends, j'essaie de te lire, c'est celui-là qui t'a tué. Ah, tu parles de mes échos. Oh, ah, d'accord, donc ça veut dire qu'il faut que je tue l'espèce de geôlier. Ok. De toute façon, je comptais bien me venger, hein. Et les molotovs, j'en ramasse beaucoup. Donc j'ai l'impression que ça servira pour un autre type d'ennemi. J'ai plus de cailloux. Oh, je vais me prendre l'autre, putain. Ah non, bah, je les ai récupérés. Je comprends pas trop ce système de regain d'écho. Parce qu'on est d'accord, c'est l'espèce de gros là-bas qui m'a tué, c'est pas celui-là. Ah oui, ma santé, putain, faut que je fasse gaffe aussi. Allez, viens là, toi, putain. Ah, mais oui, bien sûr. Allez. Attention à l'autre. Oh, tu viens, toi? Arrête de contempler le feu, bordel. Crève. Je vais pas retenter mon truc que j'ai fait tout à l'heure. C'était hyper suicidaire. Attends, je vais vite fait monter là. J'ai dû oublier... Ah non, je les ai tués déjà. Ok. Ok. Ah ouais, ouais, faut pas que j'oublie le chien. Je sais qu'il y a un chien par ici. Mais je vais réessayer ce que tu m'as dit. Hein. Je vais réessayer ton truc. Ouais, là je vois le chien qui est planqué là-bas. Je vais la jouer fine. Je vais la jouer fine. Je vais faire ça. Ok, ça l'a même pas touché. Ah, il vient pas. Faudrait d'abord que je tue le chien, en fait. Maintiens R1 quand...
Ah, c'est en maintenant R1 que ça fait un backstab. Ok. Non, qu'est-ce que je branle, moi, putain. Je suis pas encore à l'aise avec le flingue. D'ailleurs, faut que je prenne une potion. Je fais un peu n'importe quoi avec ma vie, là. Alors, je vais faire le tour parce que là, c'est pas possible. T'as l'autre qui est en train de me tirer dessus aussi. Plus personne derrière, on est bon. Vas-y. Celui-là risque de me suivre. Tant pis. Hop, c'est parti. Allez. Il m'a pas suivi l'autre. Vraiment non. Ah si, il arrive. Ah ouais, oh là là, oui, il y a le chien. Il est assez faible, mais il faut quand même que je fasse gaffe parce que tout à l'heure il m'a fait mal celui-là. Ouf. Dégage. Donc celui-là, on va en finir. Ok, bon. Il y a aussi un truc ici. Ça pouvait être des potions, ça serait bien. Donc je vais tester ce que tu m'as dit. Hein. Je vais maintenir R1. Maintiens R1 quand t'es dans le dos. Non mais j'imagine que c'est pareil quand tu me disais de lui tirer une balle dans le ventre. Je pense que c'est le même principe. Je vais essayer. Faut vraiment que je sois collé à lui, quoi. Non? Bah ouais, bah, ça va pas marcher. Hein. Après, je peux bien le tuer juste avec des balles, mais j'ai envie de faire un truc stylé. Waouh. C'est quoi? Attends, je vais pas prendre de risques. J'en ai marre de recommencer. Mais non, on prend pas de potion à pour aussi, putain. Je fais n'importe quoi, putain. Ah, à force de le réessayer, celui-là, je connais par cœur son pattern maintenant, j'ai aucun problème. Ah, R2, tu penses? Oui, mais le problème, c'est le stun, tu vois. J'ai bien compris quand il faut tirer, mais des fois... il tombe pas par terre, il tombe pas à genoux en fait. Et après je risque de me prendre un coup, tu vois. J'ai aucun problème pour le tuer à la loyale sinon. Alors tu fais juste ça, comme ça. Voilà, tu dégages. Ah, il est pas mort, merde. Ah, j'ai tenté un truc, ça a pas marché. Hop. Allez, c'est fini. Faudra que je travaille ça. Hein. Je vais noter ce que tu m'as dit. Je réessayerai plus tard. Là, c'est juste histoire de pas perdre de temps. Ok, ici il n'y a rien de spécial. Ici. Dans le doute, je vais jeter un molotov. C'est efficace. C'est efficace. Jarre d'huile. Ok. Je pense qu'il n'y a rien de spécial ici. On va avancer. Non, ça c'est juste pour voir la mort d'un joueur. Il a dû se faire péter par le geôlier. Ce que j'aimerais, c'est trouver un feu. Un autre feu. Là, si je meurs encore, me retaper les 20 habitants, c'est chiant.
J'entends du bruit. Et rien. Ça, c'est sûrement un raccourci. Ah, ok. On a du chien. Si je m'y prends bien, c'est facile. Voilà. Approche. Ah putain, j'étais sûr. C'est pour ça que j'ai reculé. C'est juste le chien qui... Putain, ça m'embête un peu. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Gunfight. Wop. Les chiens sont relativement faciles. En fait. À l'autre. Hop. Ok, jusque là. Bah, oh yes, 6 potions d'un coup. C'est parfait. C'est parfait. Des balles. Rien d'autre. Ici, non. Allez, on avance. Ça m'étonne, il n'y a pas de feu encore. Bon bah, sûrement plus haut. D'ailleurs, il faudra que je me renseigne pour savoir comment... pour savoir comment on invoque des joueurs. Ah oui, ah oui. Ah ouais, là c'est... D'accord, c'est carrément autre chose. Attends. Je vais juste essayer de... Il n'y a pas un feu, non? Histoire que je me retape pas tout si je me plante ici. Putain. Je vais peut-être essayer de pas les affoler, les petits. Ça empeste l'objet. Ouais, 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 pas con. Ouais. Bien vu. Fragment de pierre. Bon, cela. À mon avis, ça court vite. Hein. Il y a quoi ici? Attends, je vais essayer d'y aller sans me faire repérer. Putain, j'aimerais trop trouver un feu. Je me suis pas fait suivre, moi. Non, c'est bon. Okay. J'ai du galet. Fragment. Ah ouais, attention. Eh ouais, bah non. Je suis pas con, hein. Je le vois bien, le piège, là. Même si ça peut amener à un autre endroit. C'est pas ce que je cherche. Bon, déjà, safe. On y va full life. Le problème, c'est qu'ils sont deux, en fait. C'est juste ça, mon problème. Attends, je vais essayer le molotov, peut-être, non? C'est peut-être efficace sur eux. Ah, bah oui, le temps qu'il lance le molotov aussi, tu sais... Ah, il l'esquive en plus! Oh non 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 non! Qu'est-ce que tu branles ici, toi? Non! Non! Mais qu'est-ce que... Putain! Il y en a un qui est presque mort. Celui-là.
Voilà. Ah non, il est pas mort. What the... Putain. Putain. Parce que... Putain, je leur fais pas mal avec mon arme. Hein. Je pense que le molotov, c'est pas mal, mais... Il m'en reste qu'un seul. C'est ça le problème. Voilà, et maintenant, je fais quoi? Attends, si son pote a lâché du molotov, c'est du tout bon. Faut que j'aille voir ça. Eh ouais, t'as vu, je leur... Mais attends, je leur fais que dalle. Ramasse, ramasse, ramasse. Non, putain, il n'y a plus de molotov. Bon bah, je suis dans la merde. Attends. Attends, je vais pas faire n'importe quoi. Non, je peux la voir. Ouais. En restant ici, je peux la voir. Parce qu'il est clair que sur le pont... Je me serais fait niquer. Attention quand même. Non, c'est bon. C'est pas si dur que ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Fiole de sang, yes. Ça m'en fait 8. Par contre, s'il y en a un autre, ça va être chaud parce que j'ai plus de molotov en fait. Je fais gaffe quand même, hein. Je veux pas courir trop vite. Ok. Ok, 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 ok. Là, il y a quoi? Craignez l'acolyte. Si tu veux. Mais comment je remonte si je tombe ici? Je peux pas remonter. Ah, il y a un géolier là-bas. Ok. Et ici, il y a quoi? Craignez le limier. Putain! Oh putain, il m'a fait bader celui-là! En plus, il fait mal, hein! Il m'a arraché la moitié! Putain! On va prendre de risques. Hein. Je leur mets un peu de santé. Bonjour, je cherche la cohabitation. Il n'a pas l'air commode en fait. Je crois que je vais le tuer. Allez, tu dégages. Ah, ça c'est cheaté. Hein. À partir du moment où tu peux viser quelqu'un, tu sais forcément que c'est un ennemi. Je ne ferai pas avoir. Surtout que lui, je l'ai vu dans une bande-annonce. Petit coquin. Quand la chasse a commencé, l'église... Ouais, c'est bien. Attends. Ouais, je dis que c'est bien, mais en tout cas, ça, c'est l'histoire, donc... Ah, putain, tout ce que j'aimerais, c'est trouver un feu. Pour avoir un petit checkpoint. Bordel. Ah, attends, peut-être que j'ai ouvert un raccourci. Attends, on va pas. Oh, tu dégages. Waouh! Waouh! Alors, déjà, là, je descends pas. C'est clair et net, je ne descends pas. Hein. Un truc ici, non?
Je crois que j'ai ouvert un raccourci. Yes! Ok, donc là si je meurs, je passerai directement ici. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Ça a l'air balèze ça. Attends, je voulais juste voir ce qu'il y avait en haut en fait. Je crois que j'ai raté un truc là-haut. Merde. Faudra que je mappe la touche du saut sur sur L3 plutôt. Parce que là j'ai du mal à appuyer sur rond en même temps de courir. C'est un peu chiant. Ah mais lui aussi il a l'air balèze. Bon. Ah mais oui, mais le problème étant, si je meurs ici par exemple, faudra que je réaffronte les Lycans. Attends. J'ai pas récupéré quelque chose du style inflammable ou un truc à jeter de loin, non? Pour la recouvrir de l'huile. Ça peut servir, mais pourquoi, je ne sais pas. Lancé pour attirer les monstres. Ça, je sais ce que c'est. Enfin, je vais m'équiper de tout parce que de toute façon, bon, bah, j'ai pas grand chose. Mais celui-là, je sais. Bon, bah, je vais tester. Mais c'est un géolier, à mon avis. Par contre, ceux qui sont autour, bah, il faut forcément que j'active mon fouet. Ah bah, si vous voulez venir un par un, c'est parfait, alors venez. Je vais tenter un truc. Je vais d'abord me débarrasser de lui. Ah merde putain, je confonds les boutons. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, maintenir R1. Ok, j'ai compris. Ah bah c'est bon, quand tu sais ça, ça change tout. On va repasser en fouet pour les allumer tous en même temps avec un saut. Hop. Un. Voilà. Ok, bon bah je suis de plus en plus à l'aise, c'est bon. Ah, ça c'est le boss. Ici il y a un boss. Je le sais, j'ai vu la bande-annonce. Je ne sais pas si je vais pouvoir le battre hein, parce que. Il me semble qu'il est sensible au feu et j'ai plus de molotov. Je vais tenter, tant pis. On n'est plus à ça près. Ouais. Rien à ramasser, bon bah. Allez, approche. Monstre. Cléry. Périssal. Putain. Son bras gauche, c'est sa plus longue allonge, faut que je fasse gaffe. D'accord. Le saut est assez facile à esquiver. Je lui fais que dalle. Hein. Il doit y avoir un truc, attends. Il y a forcément un truc. Qu'est-ce que... Mais non, te soigne pas, Brouti. Merde, la caméra. Putain. Wow. OMG.
Il a forcément un point faible parce que ça va être très long. Là. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Juste avant, il avait la tête rouge. Hein. Donc je pense qu'il était sensible à un gros dégât sur la tête, je pense. Oh. Dégage. Non, non. Pitié, non, 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 non. Faut que je comprenne, attends, faut que je comprenne. Ah putain. Il y a forcément un truc à faire avec le flingue. Je vois pas. Il y a forcément un truc à faire. Forcément mourir à mon avis. Quoique, quoique. Attends. Parce que tout à l'heure je l'ai blessé au bras et il n'était pas comme là en fait. Merde, mais je vois rien aussi, putain. Caméra de merde. Ah, ah, il fait quoi? Oula! Ah bah non, bah alors là, je suis mort à mon avis. Ah non, même pas. Putain. Est-ce que j'aurai le temps de me soigner? Arrête, arrête ça, arrête ça. Putain. Le problème c'est que j'ai bientôt plus de potions. Non, 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 non. Bah je suis mort, je crois. Ok. Forcément un truc à faire. Il y a un truc à faire et un truc à faire avec sa tête à mon avis. Parce qu'à un moment il avait la tête toute rouge. Il va y avoir un critical damage à placer, un timing précis. Ouais. Ah, peut-être que j'étais censé perdre. Attends. Bonjour, brave chasseur. Je suis une poupée. Je suis dans ce rêve pour veiller sur vous. Quand sur je vous. Canaliserai, vous allez chasser des mots pour soutenir votre... Canaliser les échos du sang. Bah oui mais c'est con, j'ai plus d'écho. Attendez, deux secondes. Il y a mon téléphone qui sonne. Ok, bon. Donc elle, c'est pour améliorer mon niveau, mais vu que je suis mort, j'ai perdu mes échos. Donc il faut que j'aille les rechercher. Ah, quoique, attends. Ah, d'accord, donc c'est avec ça que je vais pouvoir jouer en coopération, je crois. Ma foi. Alors oui, mais, ouais, mais pour améliorer mon niveau... Il faut que je récupère mes âmes. Et pour récupérer mes âmes, faut que... Ouais, faut que je retourne au boss, à mon avis. Je vais tenter. Il faut que je le batte. C'est impératif. Il faut que je le batte, celui-là.
si je veux récupérer mes âmes. Comment faire? Si j'avais du molotov, ouais, ça aurait pu servir. Ouais, je suis con de les balancer aussi, moi, sur les villageois. Là. Putain. Je suis pas assuré, là. Bon, mes âmes. J'ai l'impression que les villageois peuvent ramasser les âmes, en fait. Allez, toi, tu dégages. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je sais pas si j'ai vraiment besoin d'aide. Je pense que je peux y arriver tout seul sur ce coup-là. Hein. Mais là-bas, ça m'intrigue. Peut-être de bonnes choses à ramasser. Ah oui, la canne c'est beaucoup plus rapide. On est d'accord là-dessus. Je me fais quelques balles. C'est moi ou il y a quelqu'un qui parle? Peut-être couper mon portable parce qu'il n'arrête pas de sonner là. Je sais qu'il y en a un ici. Ok. Oh merde! J'ai même pas vu celui-là. Ah ouais, ouais. Il y a un autre problème qui se pose, les lycans. Évidemment qu'ils sont là, les lycans, évidemment. Mais ils m'ont pas vu, apparemment. Donc je vais me la jouer safe. S'il faut, peut-être que si je cours, ça va faire du bruit. On sait jamais. Hein. Putain, qu'est-ce que je prends là? Je prends une potion pour rien, quoi. Ah oui, maintenant il y a la brume. Bien ce que je me disais. Donc, si je franchis la brume, je vais être devant le boss. On est d'accord. Bah écoutez, je vais retenter. Si je me foire, je vais invoquer quelqu'un, tant pis. Par contre, j'ai qu'une seule potion. J'ai qu'une seule potion. Bon, je vais au moins tenter, voir s'il n'y a pas moyen. La torche. On va savoir, peut-être que la torche, ça peut servir. Faut tenter, hein. Ok, bon, ça c'est la cloche pour plus tard. Alors. Ouais, bon, on va tenter. Alors déjà mes âmes. Je vais prendre mes âmes. Les âmes, s'il vous plaît, merci. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. À la base j'avais. Voilà. La canne. Va passer en dessous ses jambes, putain. Non, lui il est faisable à la loyale. Mais putain de merde. Putain de merde. Non. C'est pas une bonne idée. Vegeta, c'est pas une bonne idée. Non. Donc là dites-vous bien que j'ai plus de soins, hein. J'ai plus rien. Hein. Ah putain, il y a trop moyen que je puisse le faire tout seul.
Ça m'emmerde de devoir invoquer quelqu'un dès le début du jeu. En un seul coup. C'est évident. Oh ! Dame ! Bullshit, bullshit, non. Mais il a plus le... Il m'a pas refait le pattern de tout à l'heure. Je fais quoi, j'invoque quelqu'un? Putain, ça m'emmerde. Sitôt, invoquer quelqu'un maintenant. Les temps de chargement sont super longs. Hein. Par contre, c'était pas aussi long avant. Allez. Merci. Bon. Je suis un peu dans la merde. Que si je crève maintenant, là, avant d'arriver au boss, je perds toutes mes âmes. Je perds tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça serait un peu con. Et une autre problématique se pose. Si j'invoque quelqu'un et qu'il meurt, ça comptera pour moi aussi. Mais est-ce que je perdrai définitivement mes âmes? Je ne sais pas. Donc là, je peux pas me soigner. Ouais, je fais de la merde, je fais de la merde. Je vais finir par perdre toutes mes âmes, vous savez. Vas-y, tu sais quoi, je vais juste tenter, mais une fois, hein, pour voir. Alors, je fais comment? Cloche d'appel. Recherche du son d'un petit carillon. Découverte du son. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais te téléporter dans la matrice. Ah! Appeler Moody. Moody Quake. Ok. Et où est-ce qu'il a spawn, Moody Quake? Tiens, je vais me gagner des âmes, donc il a tué quelqu'un. Ah, il est là! Attendez. Je vais aller voir. Yes! Salut! Attendez, comment je fais pour. Pas très bien compris. Je pense qu'on peut agiter la manette. Bah attends, bah écoute, suis-moi. Hein. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui a rejoint automatiquement. Mais j'ai demandé un seul joueur, les gars. Merde, on va être trois. Ça va être beaucoup trop facile. Surtout que si les gens connaissent déjà le boss. Attendez. À moins que ce soit un envahisseur. J'ai pas sollicité un troisième, enfin je voulais pas. J'ai plus de potions, donc je vais essayer de me la jouer un peu noob, hein, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de mourir maintenant. Ah, peut-être que je prends cette arme en fait. Hein. Elle fait énormément de dégâts, je m'en aperçois. Il semblerait que j'ai invoqué quelqu'un d'autre. Par contre, je le vois pas. Je vais surveiller mes âmes en haut. Qu'est-ce qu'il fait? Non, monsieur, c'est en haut. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? What? Et attends, ils sont partis où, là? Oh là 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 là, putain. Et où est-ce qu'ils sont? Ah bah oui, bah j'ai invoqué un deuxième, mais c'était pas voulu, hein. Bon, au moins, ça me permettra de voir comment ça se passe en coopération. Bon bah, je pense qu'ils vont me suivre. Écoutez, les gars, on y va, hein. Non. Attendez. D'ailleurs, je sais même pas s'ils m'entendent au micro. Les gars, par là.
je vais juste vous regarder un petit coup, voir comment vous les battez. J'enregistre vos compétences au combat. Je vais essayer de vous aider un petit peu quand même, hein. Je suis pas un bâtard. J'ai plus de potions, je suis désolé. Hein. J'aurais bien aimé me battre, mais là, si je me plante... Ah, c'est ce que... J'ai failli me planter. Là, il m'aurait touché. Yes. Je vous assurez. Vous assurez. Il y a quoi là-bas? Putain, je suis intrigué. J'ai envie de faire le boss, mais à la fois, j'ai envie de visiter tout ce que je vois. C'est grand. Non, 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 non. Ce sera sans moi. Il y a quoi ici? Je préfère les suivre. Ils ont l'air de connaître... leur route. Non, les gars, vous avez pas compris, il faut que j'aille battre le boss en haut, en fait. C'est sympa de me faire du point, mais bon. Attention. Que je frappe un PNJ, moi. Attendez, attendez. Putain, mais vous allez où? Où est-ce que vous allez? Putain, les gars. Où est-ce qu'il m'emmène? Oh, attendez, attendez, non, 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 non. C'est le premier boss que je veux faire, moi. Où est-ce que vous m'emmenez, putain de merde? Je vais devoir vous renvoyer, hein. Je vais devoir vous expulser. Je suis désolé, mais... C'est pas du tout ce que j'ai demandé. Moi, je reviens au premier feu. Ça que j'ai pas pris, hop, mais c'est absolument pas ce que j'ai demandé, les gueules. Hein. Je sais pas où vous m'emmenez, vous êtes en train de me spoil en fait. Ouais, c'est très 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 lugubre, n'empêche. Que ça m'emmerde de les renvoyer, putain. Non, les gars, vous avez pas assuré, c'est pas là qu'il faut aller, enfin c'est pas là que je veux aller, moi. Je vais vous renvoyer, hein, je suis désolé. Comment? Je peux pas leur dire. Pas trop le choix là sur ce coup-là. Ok, là qu'est-ce qui se passe?
Ah d'accord, oh c'est pas mal. Ok, donc là je les ai renvoyés dans leur monde apparemment. On est d'accord. Hein. Ok, maintenant je ressonne la cloche. Si elle veut bien. Ah ok, elle veut pas. D'accord, pourquoi elle veut pas? Ouais, mais non, mais les gars, vous allez n'importe où aussi. J'ai pas le choix, moi. Sinon, attends. Non, 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 non. Je vais pas pouvoir faire ça non plus, parce qu'ils vont tous réapparaître, sinon. Je suis dans la merde. Bon, je vais au boss. Ah, ils m'ont ouvert un raccourci. Parce que ça, avant, pour... Non, ça c'est le bruit de la porte. Ça avant on pouvait pas l'ouvrir. Putain, ils font bader ceux-là là-bas. Donc d'ici ils me voient pas. Bon, bah je peux pas réinvoquer. Je vais tenter le boss. Il doit être faisable solo. Clairement, il est faisable solo. Il y a juste un truc que je n'ai pas compris. Peut-être que je tire sur la tête? Attends. Ah, mais le problème, c'est que j'ai bientôt plus de balles. Je veux bien faire ça, mais bon. Je vais recrever encore, putain. La caméra me pose problème aussi. Hein. Il va y avoir moyen de lui faire un critical damage, mais j'ai pas compris, putain. Sinon il y a la technique du gros noob, genre je farm des échos de sang, je retourne dans le domaine rêveur machin chose, je up en level et je reviens le battre quoi. Et j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de le battre directement là. Je vais retester la cloche. J'ai pas compris pourquoi elle a disparu. Ne me dites pas que je suis limité en invocation quand même. Allez, c'est reparti, les temps de chargement à rallonge, putain. Putain. Non, bah la cloche ne marche pas. Mais non, mais je fais n'importe quoi.
J'essaie de comprendre la fonctionnalité de la cloche bleue. Ok, genre je l'ai pas touché. Comment je réutilise la cloche? Impérativement des balles là. Ok, bon, j'ai deux fioles là. Oh merde, encore lui. Là, il y a de quoi rager si je meurs ici, hein, parce que bon. J'ai toutes mes âmes de l'autre côté. La cloche d'appel qui ne fonctionne pas. Je retente une fois, et puis si j'y arrive pas, bon, bah écoutez, je vais faire une pause, hein. Oh mais putain, il manquerait plus que je perde mes armes. Vas-y, récupère-les. Elles sont où? Merde, je suis passé à côté. Est-ce que tu peux récupérer mes armes, s'il te plaît? Merci. J'ai peut-être pas la bonne arme en plus. Non! Bah oui, forcément. Il m'a bien feinté. Oh putain, la caméra. Oh, la caméra. Le ski va pas pour aussi. Avec ce pourcent de vie-là, si je le bats. Oh, c'est cuit. Que je fasse. What? Ah! Ah d'accord! Ah bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, ça a pas marché, bordel! Hey, mais regarde ma vie, s'il te plaît, regarde ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je pense que maintenant, si je le touche à la tête, ça va faire mal. J'aurai pas le temps de le vérifier, je vais crever. Je vais forcément crever. Là j'esquive mais... Bah oui, ouais, oui. Je peux rien faire. Bon, je fais une pause. Allez. Je reprendrai plus tard.